qu'à mettre un petit peu un bloc de redstone et puis on aura fini avec celui-là. Celui-là se trouvant dans la ligne de mire de l'autre. Je voudrais pas perdre les ressources inutilement, surtout le Tesseract. Et même la query. Parce que mine de rien, ça coûte un peu de diamant et de fer et d'or, ce truc-là. Donc ça coûte assez cher, mine de rien, une query. Comment? Buildcraft, c'est pas donné, hein. Ok, donc ça, bon, on va lancer déjà la query. Hop. Comme ça, on va déjà avoir la bordure. Comme ça, je sais ce que j'ai à détruire. Voilà, comme ça, ben j'ai trois queries qui vont tourner, qui vont être envoyées dans mes dans l'end directement. Donc j'utilise un, je sais pas si je vous ai montré sur les Tesseract, mais j'utilise un nouvel j'utilise ouais une nouvelle fréquence, hein, enfin une nouvelle fréquence, non, vous avez dû la voir, c'est la fréquence ressource que j'utilise. Donc pareil, ici je vais symboliser par un hop. Donc on a tout ceci, on s'en fiche, il me faut non, d'abord les stones, ensuite les wooden, ensuite les hop, ensuite ça. Voilà. Voilà, ok. Tout ce qui a manqué, c'est un petit peu de stone. Stone. Ça et ça. Ok, alors. Ok. Et il ne restera plus qu'à poser la query ici. Hop. Ça et ça. Donc on a presque fini de poser cette query. Ouais. Mais je sens que ça va être la plus chiante. Je sens que ça va être la plus chiante. Non, ça ira. Si j'arrive à temps, ça ira. 12 semaines, ça vient. Voilà. Voilà. Comme ça, ici. Et ben, on est bon. Et il ne me reste plus qu'à poser cette query. Et un bloc de redstone. Ok. Et un bloc de redstone. Et ben voilà, trois queries qui tournent côte à côte et qui vont nous dévaster une grosse zone comme celle-ci. Et mon portail, il doit être par là.
Il est là. Donc, juste, je sais pas si, parce que j'ai un petit peu modifié l'arrivée des ressources. Hop. Voilà, donc c'est voilà le Tesseract, donc ressource qui reçoit. Hop. Donc qui reçoit les items et envoie de l'énergie, voilà, parce que j'y ai mis de l'énergie qui vient de lava, donc il y a une connexion ici entre les ressources et la lave, enfin anciennement la fréquence lava qui servait à la production de lave. Et ce n'est plus le cas. Même si la lave y arrive, en arrive encore en fait, j'utilise encore le lava pour ça. Il reçoit tout, lui, il est tranquille. Donc voilà. Donc ça arrive directement dans ce coffre-là, hein, parce que le Tesseract il communique directement avec le Diamond Chest, que je peux pas ouvrir parce que j'ai le Tesseract dessus, c'est con. En fait, je devrais mettre le Tesseract à gauche plutôt. On fait ça. Est-ce que ça implique quelque chose? Non, ça implique rien. Au contraire, je vais économiser des ressources. Hop. Enfin, là, je suis en train d'en perdre de l'autre côté, mais voilà. Vous voyez, comme ça, au moins, on voit que ça arrive. Hop, hop. Ah, comme ça, je récupère en plus de fluidettes. Voilà. Et vous voyez que ben, c'est tout est en train d'arriver. Et ça, j'ai l'impression d'avoir qu'une seule curie qui tourne, mais non, il y en a bien trois. Voilà. Et donc tout ça, bah, ça arrive. Enfin, c'est soit traité, soit recyclé. Oups, non, non, t'es passé où? Non, il est là, ok. Farceur. Oh non, par contre j'ai perdu les upgrades. Ah oh, c'est con ça. Ok. Toujours à 50K. Ah, ça a diminué pendant notre absence. Bon à savoir, ça a diminué pendant notre absence. Bah écoutez, voilà, donc on aura vu comment je gère à présent les ressources. On aura déménagé, on aura détruit ma base, ma pauvre base, qui se trouvait dans le land, enfin dans le, non pas dans l'end, dans le dans l'overworld. Donc voilà. Tout ce qu'il me faut, c'est juste un petit truc, c'est là-dedans. Donc si je dis plus de bêtises, c'est dans H10. On va faire ça de l'autre côté. On va juste avant de nous quitter, on va créer un portail ensemble. On va recréer un portail ensemble. Donc alors je l'ai fait sur le modèle du ah ouais on va changer un petit peu tiens hop oups bon ça fait hop, ah c'est pas vrai, je fais n'importe quoi. Bon, hop. Hop. Alors j'espère que ça marche. Normalement ça marche. Il prend n'importe quel format. Ouais, ça marche. Hop.
puis donc, et ben on va simplement en profiter pour... Ah ouais, il renvoie vers l'Overworld. Oh, j'aurais bien aimé qu'il renvoie plutôt vers... Mais bon, c'est pas trop un problème. On va faire un assez gros portail pour qu'il soit vu de loin. Ça, c'est du portail. Ça, c'est pas du portail de petite fille. Ah ouais. Non, on va le changer. Parce que c'est vrai que j'atterris dans ma base, pas dans l'ancienne base. On va changer le livre. On va mettre un livre. On va linker un livre dans l'end et on va le... Voilà. Bon, au moins, dans l'end, je pourrais... Dans l'end, je pourrais aller récupérer du quartz par ce portail. Ah, il est... Ouais, il est fin, il est bien ce portail. Une linked book. On va juste... On va juste pareil le... Hop. Voilà, on va le linker ici. Et on va remplacer donc le bouquin. Qu'est-ce que... Non, je suis pas censé être là. Ah, merde! Oh le con! Je l'ai créé là où j'atterris, donc j'atterris directement dans le portail. Oh le con, j'ai fait le con là. Ah, oh, j'atterris directement dans le portail, donc je suis revenu dans l'Overworld. Ah merde le con. Merde. Faut que je réfléchisse là. Va falloir que j'utilise. Va falloir que je triche, que j'utilise la commande TPX. J'ai pas le choix. Ou que je crée un autre monde. Je peux très bien créer un autre monde avec avec le quartz quoi. Donc Eh, ça fait penser que j'ai détruit des trucs de Mistcraft avec le creeper qui avait pété tout à l'heure en fait. Bon, ça fait rien. Bon bah non, bah ça fait rien. Je me créerai mon un autre monde parce qu'avec TPX je connais pas le numéro de la dimension dans laquelle je suis censé aller. Ah ça c'est con. Bon bah à retenir hein, ne pas créer le portail pile poil à l'endroit où vous spawnez. Bon bah H10 putain, c'est con, ça fait partie des mondes que j'avais réussi à sauver. Et maintenant eh ben je l'ai buté. Hop, tu vas aller là tiens. Ouais. Décidément. Ok, donc par contre ouais c'est la... Ah oh, c'est pas vrai. À chaque fois que... Ouais donc c'est qu'on dès qu'on fait un clic droit dessus c'est le... Donc ok, donc par contre dès qu'on s'en éloigne wow, c'est la consommation d'enderperles maximale quoi. Non, tu charries. Ok, bon, et eh ben, ma Bobessen, c'est à fond. Bah ouais, elle est à fond. Hop, on va commencer à transiter et on va remettre des Endermen pour avoir une production d'Enderperles vraiment infinie. En gros, là, ce qu'on va faire. On
tue des Undermen pour avoir leur mob essence et leurs Underperles. Et on se sert de leur propre mob essence pour faire spawner d'autres Undermen. Et en refaisant spawner d'autres Undermen, et ben on récupère encore de la mob essence, moins, et des Underperles. Donc on a vraiment double production d'Underperles et 1,5 fois plus de mob essence qu'en gros. On va dire 1,7 fois plus de mob essence. Voilà, enfin ça c'est valable quand on est dans l'end. Parce que quand on sort de l'end en fait, et ben on ne fait que consommer de... On ne fait que consommer de la mob essence pour des underpearls. Ça veut dire que quand on va sortir de l'end, notre production d'underpearls, ça viendra que de la mob essence. Et en fait, tant qu'on est dans l'end, et ben on recharge la mob essence et on produit encore plus d'underpearls. Donc notre présence, c'est notre énergie. Simplement. C'est simplement notre présence, notre énergie. C'est vraiment ça, quoi. Et il n'y a que ça, le problème. Hey ! Putain, mais les mecs, quoi. Y a aucun respect, quoi. Qu'est-ce que tu fais ? Tu viens ? Tu viens pas ? Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Boum. Bon. Ouh. Oh, il est à fond là. ouais, pourtant lui il produit à... Bon. Bon, ben c'est tout. Ça... Ben ouais. Attendez, c'est mis sur parce que j'ai... Le... Ah, j'ai mis le... Attendez, ben non. Ouais, mais ça va pas, ça. Attendez, j'ai fait n'importe quoi, ça, parce que ça, là, hop. Ça va plutôt aller par là. Oui, parce qu'en fait ici c'est sans condition en fait, c'est pour ça que ouais. Ouais, c'est parce qu'en fait ici c'est dit sans condition en fait, alors que en fait si y a bon de la dirt, ouais, si tu veux, mais ouais, ici on va virer la condition, on va dire que c'est constamment comme ça, puis ça va pas être de la dirt, ça va être ça. Voilà. Est-ce que j'ai un ME câble? Non. ME câble. Voilà, au moins. Puis ici, donc, on va dire 10 000, donc 10K de... Je rajouterai des recycleurs si nécessaire. Est-ce que des géothermales finalement? Ouais, non, je sais pas, j'avais dit qu'on en laisserait que 5. 1, 2, 3, 4, 5. On va couper ici, on va bien voir ce que ça donne.
Si je peux économiser un petit peu de lave quand même. Mes tanks dans le nether sont pleins, hein. Mes pompes elles sont saturées, elles arrivent pas à envoyer évidemment de lave ici. Parce que le seul endroit où elles peuvent envoyer de la lave c'est ici, hein. J'ai pas fait la connexion ici. Et ici c'est plein, donc évidemment les pompes sont en attente dans le nether. En attendant je consomme ça quoi en fait. Directement. Donc j'attends que ça ce soit vide. Je trouverai bien quelque chose à stocker ici, hein, des liquides, on en a toujours besoin. Donc je trouverai bien un liquide à stocker. Puis si je trouve rien, je remettrai de la lave. Voilà, désolé pour la dernière petite coupure, hein, qui était un petit peu rapide. Désolé, j'ai encore saturé mon disque dur, hein, comme d'habitude. Et hors caméra, je me suis un peu éclaté. J'ai fait un truc de... Bon, pas un truc de malade, mais franchement, je me suis bien amusé avec un ordinateur. Vous allez voir à la fin du chrono. Je vous explique après. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année! Voilà, donc on a de l'Enderium qui reste ici pendant 5 secondes et qui est renvoyé dans comment ça s'appelle? Cette smeltery, cette forge, cette... je ne me souviens plus du nom exact en français. Cette fonderie, voilà, exact. Cette fonderie. Et donc j'ai automatisé donc ma production d'émeraude. Avec un tout petit ordinateur, je vais vous montrer le programme. Je me suis éclaté à faire un, voilà, à transformer des secondes en minutes, enfin, à mettre deux modes, voilà. Donc, je vous explique rapidement la logique. Donc, simplement, on a un bucket d'Enderium dans le système qui est retiré toutes les 5 minutes. Toutes les 5 minutes, il est retiré pendant 5 secondes, le temps que les émeraudes, en fait, bah, simplement que le hop, que l'émeraude liquifiée passe en dessous. Au bout de 5 secondes, le Resonant Thunder est repassé par-dessus, donc évidemment, le liquifié d'émeraude peut descendre, et il se vide de toute façon plus vite qu'il n'arrive avec les villageois. Donc au bout de 5 minutes, de toute façon, quoi qu'il arrive, l'Under est déjà revenu au niveau le plus bas. Je peux hein, augmenter la durée, il faut juste que je modifie 2-3 lignes de code et puis c'est faisable. Si je veux l'augmenter à un quart d'heure, c'est même faisable vu la quantité, vu le stock de la smelterie. Je pourrais même peut-être pas une heure, mais ouais, un bon quart d'heure, laisser en fait le Resonant Thunder à l'intérieur pendant un quart d'heure pour produire des émeraudes, puis le retirer 5 secondes pour récupérer des émeraudes. Voilà, voilà. Donc là, pour le moment, je l'ai réglé à 5 minutes. Donc toutes les 5 minutes, il retire l'Enderium pour le remettre seul dessus. Et ici, il y a un petit bouton d'urgence. Alors, j'ai adoré. Je me suis fait ce petit bouton rouge qui est de Proge Red. Donc c'est assez simple à crafter. Enfin c'est simple. J'ai dû retourner dans l'overworld pour retrouver du colorant rouge, mais donc ça se fait simplement avec du red illuminar, voilà, donc de la glowstone, du colorant rouge. Et une fois qu'on a ça, donc c'est deux red illuminar et un bouton pour se faire un bouton rouge. Je voulais vraiment un bouton style arrêt d'urgence. Donc évidemment quand je clique dessus, hop, voilà, ça envoie mon signal de redstone, ça l'arrête. Le screen m'affiche bien que le tank est en mode off, c'est-à-dire complètement éteint, et que le temps d'attente est indéfini, parce que tant que je n'ai pas relancé le programme, avant de se couper, le système a ressorti le Resonant Thunder. Ça veut dire que si je coupe en fait le système, et ben je peux poser ma... D'ailleurs, je dois l'avoir dans mon système. Non, elle est restée dans un coffre. Je peux mettre ma trading station ici et trader avec les villageois à l'intérieur avant de relancer le système. Voilà.
Donc je l'affiche deux fois, hein. J'affiche ici et j'affiche sur l'écran. On va voir un petit peu le programme en question. Pour le moment, je l'ai encore mis dans Try, il sera mis dans le startup plus tard. Donc ouais, donc on attaque un petit peu de programmation là après. Donc je me suis éclaté quoi. Ouais. Alors, la vache, je viens de voir l'heure à mon PC. Il est presque 3 h du matin quand même. Bon, ça fait pas 3 h que je suis là-dessus. Non, ça fait moins que ça, j'ai fait d'autres choses entre deux. Bref. D'ailleurs, je vois que l'indentation est foireuse ici. Bon, c'est pas très grave. Alors, toujours notre fonction main, hein, toujours, je commence toujours comme ça. Donc il y a appel une fonction init. La fonction init, vous pouvez la voir en dessous, elle set les deux signaux de redstone au-dessus et en dessous à false, histoire de partir sur une bonne base, et elle initialise le moniteur, elle le nettoie complètement, et bien sûr l'intègre au système. Donc le moniteur, hop, c'est en dessous. C'est un beau merdier, hein. Je vous préviens tout de suite, c'est un beau merdier. Voilà, moniteur init il est là. Donc simplement, on récupère le périphérique de droite, c'est-à-dire l'écran, et on le nettoie au cas où il y aurait quelque chose d'écrit dessus, donc comme c'est le cas actuellement. Et je me suis fait une fonction monitorWrite pour aller plus vite pour écrire. J'ai qu'à renseigner le numéro de la ligne sur laquelle j'écris, ainsi que le texte à y indiquer. Et donc ça va beaucoup plus vite. Tiens, si vous voulez la fonction, je vous la laisse. Donc ça c'est pour le moniteur. Vous allez voir qu'on va le recroiser. Le time parse, c'est ce qui permet d'afficher le, donc à partir d'un temps en secondes, d'avoir des minutes et des secondes. J'ai galéré, enfin j'ai galéré à trouver, enfin c'était tout con à trouver. Je me suis fait une simple boucle while pour ça, mais en Lua, normalement, il y a une fonction matronde qui existe, qui permet d'arrondir les nombres. Et elle n'existe pas sur la version de Lua qu'utilise Computer Craft. Donc ça doit être 5.1 qui est intégré dans Computer Craft. Et moi je connais la version. Ça doit être la version 6. Non, je sais pas quelle version de Lua, la toute dernière version de Lua là, parce que je me suis intéressé au Lua dans un autre contexte de programmation Computer Craft. Et il y a des fonctions qui n'existent pas dans Computer Craft alors qu'elles devraient. Enfin bon, voilà. Donc la fonction math ronde n'existant pas sur Computer Craft, j'ai un petit peu galéré parce qu'évidemment, quand je fais une division par 60, et ben je tombe sur un nombre décimal. Or je veux un entier, hein, minute, je veux des entiers, rien d'autre. Donc ben simplement, ben j'ai trouvé un while pour arrondir. Donc là, il est un petit peu tard pour que je retrouve la logique du truc. Mais en gros, c'est simple. Je compte et tant que les minutes sont supérieures ou égales à i, j'incrémente i. Et dès que on trouve que i est donc résultat supérieur ou égal aux minutes, eh ben on fait minute est égal à i moins 1, parce que sinon j'avais une minute de trop. Ne me demandez pas pourquoi. En supprimant le égal ou en le remettant, c'est la même chose, hein. Sur des nombres décimaux, en fait, c'est ça qui fout la merde. Voilà. Et donc pour avoir les secondes, donc c'est pas une division, c'est un modulo. Si vous savez pas ce qu'est un modulo, en fait on fait une division, et enfin c'est comme une division, mais là le résultat, enfin le résultat qui est retourné, c'est le reste de la division. Vous savez, ben par exemple, la division de 7 par 2, c'est la division de 7, ça, la division de 7 par 2 par exemple. Si je divise 7 par 2, ça y va 3 fois, et il reste 2, c'est ça? Non, non, il reste 1, c'est ça. Donc le modulo par exemple de 7 par 2, donc 7 modulo 2, ça donne 1. Voilà. Parce que le reste de la division, c'est 1. Oui, c'est un peu dur. Voilà, puis je retourne simplement. Minute est égale à temps de mine. Et puis voilà. Voilà. Donc ça, c'est pour
parser le time, hein, donc le convertir de secondes en minutes et secondes. Et puis donc, on va revenir sur le main pour recevoir la logique. Hop, donc le main, donc tant que le signal de redstone derrière est à false, donc tant qu'on n'envoie pas de signal de redstone, on travaille. On fait appel à la fonction tankind, et tankin, ça veut dire qu'on absorbe le liquide, donc le resonant ender dans le tank. Donc tankin, c'est ce que ça veut dire en fait, hein, on fait rentrer le liquide dans le tank. On attend 5 secondes et on dit que... Alors le tank sleep, je vais vous montrer après. Le tank out, pareil, c'est l'inverse que le tank in, ça veut dire qu'on injecte le resonant ender. Et on attend 300 secondes, donc 5 minutes. Voilà. Si jamais on quitte la boucle, ça veut dire qu'on envoie un signal de redstone, on réabsorbe le liquide et on écrit donc sur le moniteur tank mode off et time sleep undefined. Voilà. La fonction init, je vous l'ai montré. Voilà, tank in, c'est tout con. Donc quand on fait rentrer hein, simplement le liquide dans le tank, on envoie donc le signal de redstone en haut. Donc au-dessus à false, en dessous à true, et on écrit sur le moniteur sur la ligne 1 mode tank, tank mode est à in. Voilà. Donc il reste que 5 secondes, mais bon, voilà. Pareil pour le tank out, c'est exactement le même principe mais inversé. Ça veut dire que le top est à true et le bottom est à false au niveau de la redstone. Et le moniteur, c'est toujours la ligne 1, et au mieux de marquer in, on marque out. Voilà, simplement. C'est tout con. Et le tank sleep, alors là, c'est un petit merdier aussi. Alors, c'est simple. C'est simple. Déjà, on affiche l'état. C'est si il prend en paramètre, en fait, l'état du tank. Ça veut dire que s'il est en in ou s'il est en out. Et le temps pendant lequel il doit rester dans cet état. On dit donc que tant que tant que ce temps-là n'est pas atteint ou qu'on ne reçoit pas de signal de redstone derrière, c'est pour ça que dès que j'appuie sur le bouton, ça marche. Hein. C'est parce que même dans la clock, il vérifie s'il ne reçoit pas le signal de redstone. Dans ce cas, on va parser le temps qui est passé en paramètres pour l'avoir en minutes et en secondes. Et ça, on enregistre dans une variable ptime. Ptime, pourquoi? Parce que c'est pour parsed time. Voilà, le p c'est pour parsed. On affiche à l'écran de l'ordinateur, pas l'écran externe, mais l'écran interne. Donc mode est égal à le mode, voilà, et le time sleep, parce que je voulais l'avoir à l'écran à l'intérieur au départ, et après je l'ai mis sur un moniteur à l'extérieur. Et j'écris sur la ligne 2 du moniteur le time sleep est égal à et puis je concatène avec ptime, donc par cette time qui est donc le temps en minutes et en secondes. J'attends une seconde, donc ça c'est la fonction sleep basique, et je fais time est égal à time moins 1. Et tant que time n'est pas égal à 0, on continue en fait à dormir quoi. Et puis on met à jour à chaque fois l'horloge qui est affichée donc sur l'ordinateur et sur son écran. Voilà. Voilà le merdier. J'ai passé une bonne heure dessus quand même, hein, je pense. Hein. Au total. Voilà, voilà, puis évidemment j'appelle le main à la fin qui gère le tout. Voilà, voilà, vous savez tout sur ce truc. Je le relance, allez, il est en in pendant 5 secondes. Et hop, il passe en boot pendant 5 minutes. Allez, et il va me produire des émeraudes. Il va plus savoir quoi en foutre. Alors oui. Je sais pas ce que vous êtes posé. Ah oui, donc je vous ai pas montré la redstone, mais en fait ce sont des alloy wire, hein, simplement en haut et au-dessus. C'est ça qui gère en fait hein, les fluiducts. Les fluiducts ont des cerveaux
et les cerveaux, voilà. Donc celui-là, il est pour le Resonant Thunder. Celui-là n'a pas de cerveau, il est sensible à la Redstone également. Hein. Tout, alors les, voilà, celui-là aussi est sensible à la Redstone évidemment. Il y a que celui-là qui n'est pas sensible à la Redstone et il est configuré comme sur l'ancien modèle pour accepter uniquement le liquéfié d'Emerald. Donc vous allez me demander par contre, ouais mais avant d'utiliser de... du Molten Iron, pourquoi maintenant tu ne t'en sers plus? Pourquoi maintenant tu utilises du Resonant Thunder? Ça n'a pas de sens. Et ben simplement parce qu'on est dans l'End et que ben, des Undermen peuvent éventuellement spawner là-dedans. Et quand un Underman meurt dans une smelterie, eh ben, il donne du Resonant Ender. Je me suis aperçu de ça dans l'Overworld. Attendez, je regarde juste un truc. Non, mais ça va peut-être aller, toi. Ok, j'ai pris son apparence. Attendez, je regarde juste un truc. Parce que j'ai vu que lui... Ouais, non, c'est bon. Parce que j'avais vu qu'on avait perdu un peu de lave, mais en fait, non, c'est parce que les pompes avaient mal été relancées. Voilà, bon. Oui, et donc, pourquoi du Resonant Thunder hein? Bah, parce que simplement, si un Underman spawn dedans et meurt dans la smelterie, et bah, c'est juste qu'au mieux d'avoir 1000 millibuckets, et bah, j'aurai un peu plus. Dans ce tank-là, c'est vraiment pas un problème. Si j'en accumule trop, parce que trop d'Undermen aurait spawné dedans, j'ai qu'à couper le programme avec le bouton d'arrêt d'urgence derrière. Je me ramène avec un seau, je fais un clic droit, j'évacue un petit peu de Resonant Thunder. Et voilà quoi, je veux dire, la machine est complètement fixée. Alors que si j'avais utilisé du Molten Iron, et ben ça m'aurait mis du Molten Iron évidemment dans le système pour gérer tout, mais dès que j'aurais eu du Resonant Thunder, voilà la galère pour réussir à le sortir du système. Le Resonant Thunder, il aurait fallu que je mette un autre drain avec un drum réservé à ça, et si jamais le drum arrivait à 250 buckets, ce qui n'est pas près d'arriver non plus. Mais voilà quoi, c'est un 256 buckets. Voilà quoi, ça pouvait le faire, mais bon, pas génial quoi dans l'idée. Je préfère carrément utiliser le Resonant Ender, ça fait que dedans, grand maximum, il peut y avoir que deux liquides et pas trois gérés. Parce que si un Underman spawn, bah, ça reste de l'Under et ça se mélangerait pas à deux. Sans compter que je sais pas du tout si en plus, si on mélange... non, normalement non, mais si on mélange de l'Under, du Resonant Under avec du Molten Iron, je sais pas si ça produit quelque chose. Ce qui peut être embêtant. Non, il est. Donc voilà, donc vous savez tout. Mais franchement, voilà, je suis assez content de moi sur ce programme. Franchement, la pointe de la technologie, quoi. Bon, ce qui est chiant, c'est les dalles, hein, mais je suis obligé, sinon des Undermen spawnent dessus, et c'est la galère. En soi, ici, je crois que je peux simplifier. Ouais, mais si je l'étale, il va couper le programme. J'attends le prochain cycle et puis ben je vais couper et puis je vous reprends plus tard. 5 secondes. 15 secondes. Une seconde, voilà. Donc le Resonant Thunder arrive dans le tank pendant 5 secondes et vous voyez que la production d'émeraude se fait. Et donc tant que c'est pas vide, je peux le... Enfin, il va produire, voilà. Donc là j'ai 75 émeraudes à extraire sous forme de bloc. Enfin un peu plus en fait, hein, parce que j'ai repéré qu'en fait 75... ça
faisait pas vraiment... Mais bon. Voilà. Et donc là, il est parti sur le mode out pendant encore 5 minutes. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette machine vous aura plu. N'hésitez pas à vous le mettre. Je pense que tous les codes sources des programmes que je vais faire, je vais vous les donner. Hein. Y a pas de... Comme ça. Comme ça, vous pourrez les copier-coller. Et juste, je vais vous montrer une dernière chose avant de nous quitter. $65K d'Underpearl. C'est bon, niveau énergie, on est peinard à vie. Hein. J'ai envie de dire, on produit beaucoup, beaucoup plus que ce que l'on consomme en Underpearl et même en énergie de façon générale. Donc on est tranquille pour un bon bout de temps, quoi. Par contre, j'ai... ouais, niveau ressources, ça par contre, il faudrait que je le regère un petit peu quand même, parce que... D'accord, ceux-là, je les avais pas modifiés. Par contre, tous ceux-là, ils sont configurés pour ramener de la cobalt, et puis... Bon, bref, ça, il faut que je regère, et puis c'est bon, quoi. Ouais, par contre, ça c'est un problème. À chaque fois que je relance le jeu, je dois casser ce câble et le remettre pour que les auto-crafting se refassent. Donc je me demande si les auto-crafting table, mine de rien, ça reste pas une bonne solution, quoi. Ça c'est plus rapide, mais le problème c'est que ça se relance pas automatiquement. Voilà, voilà. Allez, hop, on revient dans la base. Allez, on va continuer un tout petit peu, juste un tout petit truc. Ici, je me suis mis à Mistcraft. Je me suis remis deux bouquins que j'alterne là-haut. Il y a deux mondes. Il y en a un, il est constamment en pluie, celui-là. Et il a, par contre, il a des énormes drills, des grands réseaux de Nether Quartz, donc pour se farmer le Nether Quartz, c'est génial. Et il y a celui-là, l'avantage c'est qu'il fait beau dedans. Alors, c'est un cave world, donc on atterrit en pleine cave, et en hauteur, par contre, il fait tout le temps beau, et il ne pleut jamais dans ce monde. Il y a des phases de jour et des phases de nuit, hein, ça gêne pas, et il y a des mushrooms. Voilà, donc il y a des alternances entre biome océan et biome mushroom. La différence est assez flagrante. Et donc, en surface, c'est extrêmement plat. Hein. Voilà. Par contre, en dessous, c'est l'horreur. Hein. Je me suis éclaté un petit peu à OSDX ici. Désolé si vous entendez mon chat qui gratte à la porte. Voilà, vous voyez là par exemple, hop, il y a une racine là de... Oula. ah ouais, non, c'est un restant de racine. Non, c'est juste une boule. Ça, c'est juste une boule de Nether Quartz, parce qu'il y a des boules de Nether Quartz également dans ce monde. Là-bas, il y en a une, je vois. Ouais, là-bas il y a une boule de Nether Quartz. Donc ici c'est juste des boules, mais dans l'autre monde c'est carrément des je sais pas, comme des grosses araignées, quoi, de... ça faudrait que je le récupère, ça. Voilà, hop. Alors ouais, quand je reviens des mondes, hein, les ordinateurs ils merdent un petit peu. Mais ça reste la classe, ces trucs-là. Donc voilà. Et l'autre monde, je vais vous le montrer quand même. Attendez, je vais juste... ça, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin. L'autre monde... Euh...
Voilà, alors, il pleut tout le temps. Ça, c'est le gros inconvénient, mais par contre... Donc ça, j'en ai explosé une partie, mais voilà, quoi. Il y a ces grosses racines, d'ailleurs, vous voyez, il y en a sous l'océan, là, il me semble que ça s'appelle des drills ou des trucs comme ça. Mais c'est gigantesque, quoi. La quantité de quartz qu'il y a là-dessus, c'est absolument astronomique. Et bon, ce qui est chiant, c'est qu'il pleut, donc j'explose tout ça au SDX, hein, je me fais pas chier. Mais voilà, quoi, la quantité de Nether Quartz, franchement, je m'éclate. Hein. Franchement, pour être à court de Nether Quartz, je vois pas comment je peux faire, quoi. Hier, j'ai utilisé pratiquement 5 stacks de SDX sur des drills comme ça. Il y en avait un énorme ici, hein. À la base, enfin ici, un peu plus loin en fait, bah là en fait, ouais pas loin du portail là en fait, ça se voit d'ailleurs, il y a encore les traces du SDX, mais ici il y avait une grosse zone de Nether Quartz, et encore je l'ai pas entièrement exploité, mais c'est, et puis ça monte assez haut en plus, hein, faut s'imaginer le truc, hein, c'est, mais voilà. Donc plus du tout emmerdé avec avec tout ça. D'ailleurs, ça se voit, hein, le quartz. Enfin, j'en ai consommé un peu pour faire du silicone, mais voilà, je suis à 10 corps. Donc peinard. Voilà, voilà. Puis un dernier petit truc, j'ai eu un gros couac. J'ai dû recharger ma power suite dans mes énergétiques infuseurs, et pendant que ça se rechargeait, je me suis retrouvé comme un con parce que mon système applié d'énergétique a lâché, et le truc, bah, c'est que ce truc là, bah, ça pompait à fond dans mon système, mais tellement violemment qu'en fait, et ben, tout était absorbé par là, et donc les machines là-bas n'étaient plus alimentées, donc le contrôleur non plus, évidemment, qui stocke l'énergie des appelés d'énergétique. Et tout était envoyé ici, mais résultat, plus rien dans ces machines-là, pratiquement, en énergie. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois que j'utilise un Tesseract où je consomme de l'énergie, j'ai remis un Resonant Thunder Energy Cell, un Resonant Energy Cell simplement, pour faire office de grosses batteries, quoi, sur les systèmes comme ça. J'en ai mis un là, puis j'en ai mis un hop, puis j'en ai mis un là, voilà, comme ça c'est genre, ils sont à fond, et en cas de surconsommation d'énergie pour X raison, au moins c'est présent, quoi. Voilà, voilà. Ici, j'ai géré, c'est le... Ah, tiens, d'ailleurs, j'ai pas mis le... Voilà, c'est ça, plutôt. Ouais, c'est ça. Voilà, donc ici je gère simplement, c'est le pulvérised obsidienne qui me sert à faire l'art de néglace et trucs comme ça. Voilà, voilà, voilà. Bon, bah, vous savez tout sur les changements, et puis voilà. Faut que je trouve toujours ce truc là. Faut que je trouve un truc à mettre là-dedans, un truc marrant. Faut que je réfléchisse à un truc marrant à mettre ici. Ah, peut-être un mème d'internet, je sais pas. Oh, c'est pas vrai. J'ai encore oublié de brancher mon micro, j'en suis désolé si vous m'entendez mal. Oh, le con. Bon, bah, je suis désolé. Bon, bah, j'espère que le son sera quand même bon, que vous m'avez suffisamment bien entendu. Mais ouais. Bon, allez, je vous laisse ça.
Qu'est-ce qui s'est passé? Eh, j'avais ça. Oula! Eh mec, j'en avais 500 des blocs d'émeraude. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah merde. J'ai... Ouais, bah c'est ça, je les avais reconvertis en fait.